Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. On a lancé une campagne de lutte et de prévention contre toutes les formes de violence. Et à ce titre, on met en lumière les différents acteurs qui représentent les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et qui contribuent au vivre ensemble. Donc je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Ben moi, je suis Majid Edekan, je suis ingénieur et je suis issu de Mantes-la-Jolie. Voilà. Saïd Bailly, j'habite à Mantes et je suis auteur-réalisateur. Enchanté. Bah, qu'est-ce qui vous a amené à devenir réalisateur d'un film engagé tel que le film Ils l'ont fait ? Bah parce qu'on en avait un peu marre déjà que des pseudo-sociologues experts en banlieue viennent toujours parler à notre place. Donc nous, on s'est dit, à défaut de monter une liste pour prendre la mairie, on a fait une grosse comédie sur fond d'élection municipale où c'est un jeune du quartier, qui est le jeune Khalifa Camara, qui est un Français d'origine sénégalaise et qui se fait recaler de son troisième rendez-vous du Pôle emploi, qui décide de prendre sa vie en main et de se présenter aux élections municipales de sa ville face à un maire corrompu qui s'appelle Jacques Hadi. Donc nous, on a voulu, par ce biais, vraiment donner la parole à toute cette majorité silencieuse. Voilà. Effectivement, c'était une évidence aussi pour nous, hein, par rapport... au contexte actuel, au climat, à débarquer avec une œuvre positive qui rassemble et qui donne une vraie bouffée d'espoir où effectivement on à travers le parcours du jeune Khalifa, à travers son propre parcours personnel, pour s'en sortir, il va se rendre compte finalement qu'à la fin, son bonheur, il passera d'abord par le bonheur de tout ce qui lui ressemble, avec qui il a vécu, avec qui il a grandi. Et pour, voilà. Donc il va redonner à travers son parcours une dignité, une fierté aux gens pour retrouver le bonheur de vivre ensemble comme ils avaient connu auparavant. Puis du même coup, se débarrasser, comme disait Majid, d'un gars qu'on a nommé Jacques Hadi. Et parce que, c'est un message aussi très très fort parce qu'on entend à travers notre film, on tend un miroir, hein, c'est un miroir grossissant par rapport à tout ce qui se passe ailleurs dans beaucoup de cités, notamment parce que la thématique veut qu'on parle de la cité, vu que voilà, pour l'instant on reste malheureusement les gens les plus inquiétants pour le reste de la société française, alors que je pense qu'on est une solution. Et donc voilà, pour le vivre ensemble, comme je dis, on peut parler d'unité nationale, mais sans unité culturelle, ça va être difficile. Alors votre film, il offre un message républicain qui est celui de l'engagement du citoyen de la République à travers le vote. On se rappelle lors des dernières élections départementales de 2015 que le taux d'abstention a dépassé les 50%. Comment peut-on insuffler la dynamique citoyenne de l'engagement auprès de nos citoyens selon vous ? Déjà, il faut que les politiques deviennent exemplaires. Parce que ce qu'on disait justement, c'est quand un ministre du budget, qui est M. Cahuzac, qui a un compte en Suisse, quand un M. Thévenoud nous dit à la télé qu'il souffre de phobie administrative, comment voulez-vous quand nous... on ne paye pas nos impôts le 15 et qu'on a 10% le lendemain de majoration et que quand on ne paye pas à temps, on a un ATD directement prélevé sur son compte. Et voilà. Comment voulez-vous que les gens, si déjà, faut toujours balayer devant sa porte avant de balayer devant chez les autres. Donc c'est ça, donc les gens sont un peu fatigués de tout ça. Voilà, actuellement, quand vous allez voir n'importe quelle personne pour aller voter, il va vous dire « qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Parce que justement, on a instauré le clientélisme qui implique le communautarisme. Et voilà, on a toujours acheté. C'est ce qu'on dénonce dans le film. Hein. On a fait une grosse caricature où on dit qu'on achète les gens avec un taf, un appart ou une subvention. Voilà, donc à partir de là, quand vous allez voir les gens, ils vous disent « je gagne quoi en retour ?» Donc tant qu'il n'y aura pas de réelle prise de conscience, et après, si on ne se prend pas soi-même en considération, on ne pourra pas aller déjà faire changer les choses. Ouais, tout à fait. Bah, effectivement, c'est un film qui traite beaucoup de l'émancipation. Et puis aussi, c'est aussi un message très très fort qu'on tend, aussi un miroir à ceux qui vivent, qui s'impliquent dans ce style de démarche. Parce que ça nous ramène à une forme de colonialisme contemporain, tu vois. Et c'est triste de voir aussi des gens qui se laissent acheter. Ils ne se rendent pas compte du dégât et du message qu'ils envoient aussi aux générations futures. Ça ne donne plus aux jeunes de faire des efforts. Tu te rends compte, ils se disent, si eux ils font ça, à côté de ça, ça vient aussi balayer tout le travail de gens positifs dans les quartiers qui essaient d'instaurer des règles, des lois, une discipline, du respect. Alors qu'à côté de ça, les mêmes qui les payent, c'est un truc de schizophrène, tu vois. Dans la banlieue, c'est un truc de... Il faut faire l'état... Moi, j'ai dit, aujourd'hui, il faudrait même faire un état mental
il serait temps, hein, à une grande échelle, je ne suis pas en train de délirer sur les gens, parce qu'ils ont, c'est trop. Tu comprends? Donc ça vient aussi, ce message aussi, ce film qu'on a fait, c'est vraiment un garrot, hein, si je peux m'exprimer cette expression, un garrot par rapport à l'urgence qu'il y a dans les quartiers, franchement. Donc, il n'y a pas de fatalisme, hein, justement. Ce film-là, il prouve qu'il n'y a pas de fatalisme. Il faut juste aller à la racine de ce problème. Ce n'est pas possible. D'autant plus, comme on disait, il n'est pas juste... moi, je l'ai vu dans mon parcours d'éducateur, tout ça, dans les banlieues, tout ça. Je me suis dit, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit d'une coïncidence. Là, on a rassemblé les gens, on retrouve des symptômes. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, bon, après, bon, peut-être je n'ai pas envie d'approfondir, je ne sais pas si j'aurai le temps. C'est que voilà, nous, ça nous a, on était vraiment, vraiment, vraiment inquiets. Donc on n'a vraiment, vraiment pas été surpris quand, malheureusement, ce qui s'est passé le 13 novembre, ce qui nous fait mal maintenant, c'est que c'est la facilité dans le traitement médiatique qui le raccroche, qui le relie directement à la banlieue. Donc la banlieue, on redevient une déchetterie à ciel ouvert par rapport à tous les problèmes. Et ça, depuis le 11... depuis les attentats du World Trade Center, je pense qu'on avait de quoi s'inquiéter. C'était juste une question de temps. On se disait, quand est-ce que cet écho il va arriver en banlieue? Pour ne pas être fataliste, c'est vrai que nous avons la chance de vivre dans un pays quand même qui est riche de par sa dimension multiculturelle. Pensez-vous que le paysage politique aujourd'hui est représentatif de cette diversité? Non, il suffit juste de voir à l'Assemblée nationale, sur 577 députés, 9 sont issus des dom-toms. Des dom-toms. J'ai pas dit... la diversité. Voilà, 9 sur 577. Faites le pourcentage. Le poids des mots, ils ont leur sens, hein. Surtout par rapport au paradoxe. Heureusement qu'il n'est pas mortel, hein, par rapport à la certaine échelle. S'il avait été mortel, ça aurait été grave. Bon, les mots ont leur poids. Moi, je suis pas dans les mots par hasard. La diversité. Étymologiquement, il n'y a pas un paradoxe avec ce qu'on nous présente à travers les médias, à travers l'espace public, à travers les postes, à travers... Faut pas déconner. Et alors, on doit se contenter en plus des médiocres qui nous ont ramenés. Il n'y a pas des gens suffisamment plus éclairés que, je ne vais pas citer de nom, que certaines personnes qui, soi-disant, issues des anciennes colonies, pour ne pas dire les migrations, quoi, tu vois. Donc à part la dame, la garde des Sceaux, comment elle s'appelle, Taubira, qui, moi, je ne connais pas cette dame, je la respecte parce que je sens qu'elle, elle est arrivée toute seule parce qu'elle a un niveau intellectuel propre à elle, une vraie expérience, une vraie culture, tu vois. C'est pour ça qu'elle dérange autant. Mais tout le reste, je suis désolé de te le dire, je vais en citer un parce qu'il fait mal au cœur. C'est lui, il est le symbole même de tous ces gens-là, c'est Malek Bouti. Alors lui, plus contradictoire que lui, tu peux pas être à la Ligue des droits de l'homme, entre guillemets, et nous expliquer que finalement les droits de l'homme, ils ont une scoliose. Tu vois, donc on l'appelle Malek Bounti. Non, c'est trop. Lui, tu vois pas le message qu'il envoie de découragement par rapport au passé qu'il représente, à ceux qui ont été adolescents, qui ont connu SOS Racisme, entre guillemets. Tu vois, bah après, quand tu fouilles SOS Racisme, on est méfiant, toutes ces associations. Il faut un truc qui vienne de la base. Attends, on va pas vivre le néocolonialisme en banlieue quand même. On n'est pas loin. C'est pour ça ce film, il est émancipateur. C'est pour ça on est dans les solutions. Pourquoi? Il faut des homards, il faut des gens comme ça partout dans les banlieues. Puisqu'ils nous ont pas dilué dans le reste de la société française. C'est ça le drame. C'est qu'ils nous ont pas dilué. Ils ont loupé le 21e siècle. Faut dire la vérité. Avec nous, ils l'ont loupé. C'est clair. Donc s'il l'avait dilué, ce film-là, il se poserait même pas. Tu vois? Là, maintenant, puisqu'on est entre nous, que ça ne va pas changer comme ça, autant prendre les devants, autant se présenter. Mais on n'est pas obligé de faire une politique politicienne comme ce qu'il a dit Majid, c'est juste. La délinquance en col blanc, on n'y croit plus. Et c'est au-delà de la banlieue. C'est toute la société générale française qui est dégoûtée. La preuve, ils ont été au Front National. La preuve. Comme vous le disiez, votre film, il offre un autre message aussi, hein, qui est celui de la nécessité de devenir acteur de son quartier, de soi-même aussi, pour favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale. Pensez-vous que le mouvement associatif puisse contribuer à changer les mentalités pour réduire les violences et développer la solidarité au quotidien? Certaines, oui, mais si c'est comme juste pour faire des tournois de foot et des barbecues... Bah, on va faire comme tout le monde. Voilà, c'est comme tout le monde. Il faudra les trier. Là, vous interviewez pas tout le monde parce qu'ils viennent de la banlieue. Vous n'avez pas pris Majid et Saïd, puisqu'on est des mecs qui ont une association qu'on vient de la banlieue. Non, c'est que derrière, il y a un réel travail.
Il y a un vrai travail humain de corps à corps. Là, c'est sérieusement. Corps à corps, coordonné. Coordonné, ça fait donner du corps. Tu vois, à l'envers. Donc nous, on est là, on n'est pas en train de mitonner. Ça prouve bien déjà. Parce que quand tu vois le nombre d'associations qu'il y a, putain, tu devrais être dans une grande salle en train de faire des grands meetings. Là, nous, si on veut s'en sortir, on doit se calquer sur le modèle du panafricanisme. Et je le dis, moi, ça n'engage que moi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Cette histoire de tout ce qui s'est passé, il y a un côté positif. Sur les réseaux sociaux, nous, on y est souvent, on l'a constaté, c'est qu'il y a des jeunes, des générations ou d'autres gens qui commencent maintenant à déterrer des vrais leaders qui nous ont manqué. Que moi je connaissais parce que je suis un peu plus vieux, que j'ai traversé grâce à l'art dans la musique. Je faisais de l'afro, bon bref. Quand j'entends maintenant, on ressort Frantz Fanon, tout ça, c'est des jeunes qui parlent de ces... C'est ça qui nous a manqué. Et c'est ça qui a manqué aussi après les indépendances, on a tué toutes les têtes pensantes. Et c'est même là, c'est ces mêmes jeunes, tu vois, c'est un lapsus, c'était jeune à l'époque, c'est ces jeunes-là, intellectuels aussi, poètes, artistes, qui ont monté toute la structure des indépendances. C'est ça qui nous manque aujourd'hui en banlieue. On est obligé de donner des modèles forts aux jeunes, des vrais héros, pas des mecs de la merde, des médias, là, tu vois, c'est pas le mythe, c'est pas le rêve, c'est d'aller en Syrie. Le rêve, c'est ça. Non, mais franchement, c'est grave. Tu vois, c'est ça le rêve de héros. Non, nous, on propose autre chose. On propose autre chose. Donc, les héros de leur héros, il faut que ce soit des homards, il faut que ce soit des Mamadou, des Mohamed, qui tu veux, tout ce qui représente la diversité culturelle et qui est une réalité en France. Sincèrement, on ne peut pas être les oubliettes de la République. Pendant 50 ans, les banlieues, on a été les oubliettes de la République. Faut pas qu'ils s'étonnent. Ça a été, c'est vrai, un terrain favorable et un terreau pour aujourd'hui, à l'aube du 20e, en 2015, trouver des gens qui sont tellement pétés dans leur tête, tellement perdus, qu'ils vont chercher pour leur mal-être des causes de substitution. Et l'islam leur a offert ça parce que leurs parents ou leurs ancêtres étaient de cette culture-là. Mais on sait très bien que l'islam, c'est pas ça du tout. Parce que vous mentionnez tout à l'heure les attentats qui ont secoué le pays tout au long de l'année. Hein. Ça a été là en novembre, ça a été aussi en janvier. On transmet nos condoléances et nos messages de soutien aux proches des familles, aux proches des victimes. Vous, quelles solutions aimeriez-vous apporter pour enrayer ce phénomène de repli communautaire qui divise une nation qui pourrait être justement extrêmement riche si elle était unie? Bah justement, c'est aller dans tous ces terreaux de talent, parce que il y avait Total qui disait en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Bah dans les banlieues, on n'a pas de pétrole mais on a des talents. Il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a des sportifs de haut niveau, il y a des comédiens, il y a des traders, il y a cette richesse qui a été laissée à l'abandon, la ségrégation spatiale et abandonné justement, on met en avant la médiocrité, les Nabila, les Chalgoumi, imams de France, qui n'arrivent pas à faire sujet, verbe, complément. C'est pas drôle ça? On pourrait en faire des films. Nous on a fait une grosse caricature de tout ça, et c'est pour ça, donc, pour éviter, nous on a fait un film, une comédie, qui est un peu un miroir aux alouettes, et justement, où on rigole de tout, mais c'est une comédie dramatique quand même. On rigole de choses qui ne sont pas drôles. On montre à un moment une scène où ils forment les jeunes à voter. On parlait de l'abstention tout à l'heure, mais tout le monde dit oui, ces jeunes ne votent pas. Mais à quel moment on s'est posé la question de est-ce qu'on a pris un dictionnaire, on a expliqué c'est quoi une élection municipale, c'est quoi une élection régionale, c'est quoi une élection législative, c'est quoi une cantonale, c'est quoi une présidentielle. Non, les politiques viennent voir tous les gens 3 semaines avant les élections. On leur promet un terrain de foot en synthétique. Voilà, on vient avec un programme de 12 pages écrit en police 10. Dedans, il y a l'économie, l'Europe, du chômage, de l'éducation, de l'emploi, du logement, tout et n'importe quoi. Alors que, prenons déjà un problème. Prenons déjà la base, la définition de la base. C'est quoi une élection? C'est quoi... Voilà, donc après, nous, ce film, en 1h30, ça permet de rigoler de choses qui ne sont pas drôles. Parce que nous, quand même, quand les jeunes ne savent pas voter, quand on achète les gens avec un taf, un appart ou une subvention, c'est triste quand même. On est en 2015, en 2016 bientôt. On achète encore les gens avec un taf, un appart ou une subvention parce que la crise fait que les gens sont plus préoccupés à survivre qu'à vivre. Donc c'est pour ça, c'est comme les gens, ils ont cette épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête. Bah voilà, on vient, on leur dit voilà, tu veux un taf ou une place en crèche ou n'importe quoi et ils sombrent dedans. Et donc après, comme disait même Saïd, c'est que ce terreau est plus facile au radicalisme aussi. Parce qu'on vient, on te dit, voilà, bah t'as pas de taf, t'as rien, écoute, viens avec nous.
On sait, voilà, donc pour éviter ça, c'est justement tous ces mots qu'on cite à longueur de journée, les politiques, les infos, le vivre ensemble, il faudrait peut-être les mettre à, comment ça s'appelle, on passe de la théorie à la pratique, voilà, directement. Et qu'on, voilà, nous, on a fédéré 200 personnes qui sont acteurs et figurants de toute couleur, de toute génération, de 4 à 80 ans, de toute religion. On les a fait jouer dans un film sur le même projet d'une heure et demie. Il y a 300 personnes qui ont participé aussi financièrement, qui ont aussi donné, prêté des apparts, des endroits pour qu'on tourne le film, du matériel. Donc il y a eu 500 personnes. Nous, on a réussi à fédérer 500 personnes. On n'a pas monté de liste. On avait le même projet, c'était de faire un film. Et ce message, le message du film, c'est qu'on veut, on peut, un message d'espoir. On a voulu montrer le verre à moitié plein et pas le moitié vide, comme les médias nous montrent tout le temps. Et vous savez comment enrayer ce phénomène de repli communautaire, selon vous? Comment l'enrayer? Bah déjà... Je pense qu'il faut déjà... Il y a des lois dans ce pays. C'est fou, quoi. Comme je vous dis, il y a des lois dans ce pays. S'il y a des maires qui doivent être inculpés, il faut qu'ils soient inculpés. Tu vois? Donc déjà, la loi, si elle faisait bien son travail aussi, qu'il n'y a pas de 10 000 justices à 10 vitesses, ça, on l'a connu, ça, malheureusement. En banlieue, on a tout connu. Donc déjà, ça commence par faire respecter la loi. Voilà, on ne peut pas se permettre, quand on vit dans un quartier où il y a tant de difficultés, de se permettre d'avoir en plus un maire qui tire les gens vers le bas pendant des décennies. Donc ça, il y a un travail que la loi doit faire. Après, si la loi, ça ne suffit pas, eh ben, il y a comment... faut que ce soit l'affaire des gens. Soit les gens, ils sont satisfaits de ce qu'on leur propose. Il y a des gens, pourquoi pas, hein, ils s'en foutent. Hein, ouais, moi, ça me suffit, mais vous, bah, nous, on est bien. Bah voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. La majorité des gens, maintenant, même ceux qui n'étaient pas d'accord avant, sont bien obligés d'admettre que même eux, on ne leur fait pas de cadeau dans le traitement médiatique. Quand ils ont le maire qui parle, quand il y a une urgence, et là, il oublie que... Et là, il dit, ouais, de toute façon, j'ai toujours demandé des moyens, j'ai toujours voulu avoir des CRS, toujours plus de police, toujours plus de sécurité. Tu vois, on nous associe toujours à ça, alors que c'est pas ça. Et d'une manière un peu plus générale, quelles seraient vos préconisations pour faire évoluer les mentalités, pour plus d'égalité, moins de violence et plus de tolérance envers la différence? Il y a un seul terreau qui n'a pas été cultivé, c'est la culture. Il n'y a jamais le mot culture, les gens ne l'utilisent pas, sauf dans cette société pour parler d'une culture élitiste. Là, faut dire la vérité. Mais ou sinon, nous, à notre échelle, sincèrement, avec ce paradoxe, en plus, on a nous qui sommes nés français, mais chacun avec une double, voire triple culture, on n'est même pas pris en compte. Tu te rends compte, c'est ce mot-là qui doit être en priorité. Et c'est pas un mot juste comme ça, hein, style culture, on va faire du rap et puis on va faire des matchs de foot. Non. C'est la culture avec un grand C, tu vois, qui aborde l'histoire, qui aborde tout. Donc ça, moi franchement, la culture, pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'être riche. Mais on en revient à la même chose. Riche d'idées alors. Ouais, t'es pas obligé d'être riche financièrement. La culture, c'est voilà, tu peux être passionné par la lecture, qui va t'emmener à la lecture, à la culture, la musique, tous les arts, c'est un trait d'union pour t'emmener à la lecture. Donc je suis bien placé pour en parler. J'ai commencé avec la musique autodidacte, j'étais adolescent. Donc j'ai bien vu qu'avec l'art, l'art m'a ramené à la culture m'a ouvert sur le monde. Donc qui m'a permis de voir les décalages et de faire des comparaisons et de me rattacher à ma propre histoire. Ouais, nous, on était dans l'insouciance. Donc moi, je te dis la solution. Puisque maintenant, il y a une réalité, on est au 21e siècle et qu'on a pris trop de retard, je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut vraiment citoyen. Et qu'est-ce qui peut ramener ce sursaut dans un sursaut bénéfique, avec un message rassembleur? Il n'y a qu'un mot, c'est la culture. Et vous, Magie, de vos préconisations? Bah c'est ça, la preuve, avec notre film, on fait le tour de la France. Donc à partir d'un film où nous, on a écrit à quatre tous les soirs après le boulot pendant 4 mois, on se retrouve à le passer à Toulouse, à Montpellier, au Havre, à Rouen, des villes qu'on n'avait jamais visitées. Et puis ce qui est marrant, c'est que c'est un écho. Parce que dans chaque ville où on le passe, les gens s'identifient. Ils s'identifient à l'acteur principal, ils arrivent à identifier leur maire, leur directeur de cabinet, leur directrice de com, leur vendu. Voilà, donc c'est marrant. Et puis... Et le message, à chaque fois, ils disent « Votre film, c'est pas une comédie, c'est la réalité, chez eux. » Donc voilà, donc ça prouve qu'on a tapé là où il fallait. On a mis le doigt là où il fallait. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? La violence recule là où la solidarité avance. Bah, c'est une évidence, ouais, comme dirait Saïd.
Là où sur c'est. Sur les mots. Sur, en mots, c'est une évidence. Mais il y a combien d'associations à une autre échelle, même internationale, qui portaient le logo solidarité, humaniste et tout. On les a retrouvés. On les a retrouvés devant les juges. On les a retrouvés. C'est pas normal. Tu vois, les mots ont leur importance. Il faut que les mots, c'est une chose. Mais il faut que les actes y suivent. Il faut que les actes soient plus forts même que le mot. Le mot, c'est juste le détonateur. Après, c'est l'acte. L'acte, il est puissant. Nous, c'est vrai. Là, il vient de redire une chose. C'est nous tous, on en est là avec qui l'ont fait, à se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait? Non, mais c'est tout simple. Sur le chemin, on se dit, mais attends, là, il faut qu'on anticipe les interviews, les débats, c'est bien beau, mais à la fin, on repart chez nous, on est un peu... Ouais, les gens, ils sont contents, ben ouais, c'est facile. En fin de compte, le truc, il était tellement devant eux qu'ils l'ont... Tu vois, je sens ça aussi. T'es tellement flagrant, mais pour ça, il faut sortir du quartier pour comprendre ce qui se passe. Mais je me suis dit, ils ont envie de faire quelque chose. C'est vrai, il faut que chacun, au niveau de son local, c'est le plus important, il faut qu'il se batte. Mais je pense, comme je t'ai dit, moi, je suis très réaliste, franchement. Je pense que avec tout ce qu'on a fait, puisqu'on a été invité, certes par des gens, mais dans chaque groupe de personnes qui nous a invités, donc il y a un responsable, voire deux. Nous, au bout de presque un an et demi de tournée, presque février. Bon, on va arriver bientôt à un an. Une trentaine de projets. Ouais, ben, presque. Moi, je pense que j'estime qu'on peut préparer quelque chose pour les grosses échéances qui arrivent politiques, mais pas préparer. C'est de lancer un message fort. C'est-à-dire que nous, on veut rassembler maintenant tous les gens qui nous ont invités. Les rassembler, nous, les invités, dans un lieu, en banlieue parisienne ou à Mantes ou à où, faire et calquer, lancer un message fort à ceux qui attendent notre message, autre chose que des marches, que des mouvements associatifs sympathiques qui vont se retrouver avec des tentes au bas de la, tu vois, faire des stands et tout ça. Bon, ok, c'est cool, mais ça va pas loin. Nous, faut qu'on monte quoi? Des fédérations. Et il faut qu'on soit capable de montrer qu'en banlieue, il y a une vraie identité, qu'on est capable de fédérer. Il y a autre chose que des Chalgoumi et des Nabila. Donc c'est tous ces gens-là qui nous ont invités et on doit monter nos universités. Univers, cité. Dans univers, il y a le mot univers et cité. On est le mieux placé pour citer notre univers. D'accord? Et là, moi, je suis vraiment content. On est très content parce qu'on a vu des gens à travers notre film, qui sont cachés, que justement les médias ne vont pas aller chercher pour rassurer le reste de la société française. Ouais, c'est pas surpris des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes. Voilà. Qui vendent leurs bouquins, voilà. Qui font leur propre film, leur propre documentaire. On a été, partout on a été invités, on a été agréablement surpris. C'est très mauvais. Est-ce que on sent que beaucoup d'engagement, nous partageons certaines choses en commun, à savoir que les actes priment sur les mots. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien? Ah, tu peux toujours compter sur nous. Nous, ce qu'on dit partout, c'est que nous, là où on nous invite, on ira. Si demain, on doit aller voir les Martiens pour présenter le film, on viendra. Nous, on a... C'est pour ça que c'est marrant, parce qu'à chaque fois, ils disent, les gens se radicalisent. On avait dit ça à une journaliste de Radio France, justement, qui disait que, oui, comment lutter contre le communautarisme, etc. Mais nous, à aucun moment, on nous invite. Nous, à chaque fois, vous venez dans nos quartiers, vous êtes les bienvenus. Mais à quel moment, nous, on est invités sur les plateaux? À quel moment, nous, on est invités chez Ruquier, sur BFM, sur les plateaux d'ITélé? À quel moment, pour des gens qui se replient sur eux-mêmes, à quel moment on est invités? Nous, ce qu'on demande, c'est, voilà, on peut venir débattre, il n'y a pas de problème. On ne refusera jamais une invitation. Donc, voilà, arrêtez d'inviter les Nabila, les Chalgoumi, tous ces pantins, qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ont été élus par je ne sais pas qui. Donc voilà, et on viendra parler. Et tu peux compter sur nous avec plaisir. Majid Saïd, je vous remercie énormément pour votre témoignage, pour cette expertise que vous amenez sur certains points, comme vous le disiez, qu'on traite avec humour, mais qui sont des sujets très graves et très sensibles. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.